Oh, quand tu vois la tête du portail, tu te dis, oh, il y a un sacré flow quand même dessus. Oh, que des végétaux et le kit boue en fond, franchement, magnifique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, en forme, que vous avez passé une bonne journée. On est sur Dragon Ball Legends et on est parti pour invoquer pour celui qui nous fait rêver sur Dokkan Battle quand il y a son animation, mais celui qu'on trouve magnifique et qui d'ailleurs, là, en mode ultra est incroyable, Monsieur Super Végétaux. Voilà, il est magnifique, Végétaux Super Saiyajin. Il est beau, c'est une version ultra, donc ça va être chaud d'aller le récupérer. Mais on va tout donner, on va essayer. Dans les commentaires, vous me direz si vous avez réussi eh bien, à l'obtenir, combien de multi-invocations vous avez fait pour réussir à le faire tomber. Voilà, il a été annoncé hier dans le Reveal and Stuff, il est présent aujourd'hui, Ultra Rising. Il est beau, hein. Clairement il est beau, et puis surtout, au-delà de sa beauté, il est incroyablement fort. Alors du coup, on va tout donner pour aller le récupérer, sachant que ces derniers temps, on a eu plus ou moins de la chance sur DB Legends, puisque, comment expliquer qu'on a eu le Goku SSJ3, nous avons eu Migate, nous avons eu le Vegeta, il n'y a que le Goku Jubaida, qui était une version Ultra également, que nous n'avons pas eu, hein. Ça c'est vraiment la grosse tristesse. Par contre, j'ai obtenu Gogeta en single ultra, donc ça fait plaisir. Si aujourd'hui on pouvait faire tomber Végétaux, oh là 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 là, je signe direct. On va faire le step en entier, bien évidemment, et puis on va espérer qu'il puisse tomber. Clairement, 2000, je vois 2000 pouvoir Z, enfin 2000 PZ sur les versions ultra. Eh bien, écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu tombes. Sparking ou plus garanti une fois, par contre, ça c'est cool. Ok, on y va ou pas? Vous êtes chaud aujourd'hui? En tout cas, j'espère que vous avez eu de la chance. Nous, on y va. Soupa Beritoda, on y va, let's go. 3, 2, 1, première multi-invocation. Que la chance. Chut. Soit avec nous. Un petit doigt de la justice pour débuter. Allez, s'il te plaît, une animation d'entrée de jeu. Franchement, en ce moment, ça va. C'est pas trop mal, DB Legends. On se fait plutôt bien plaisir dessus. On s'amuse bien. Et je crois que le jeu nous le rend bien ces derniers temps. Taiyo Pai Pai, Super Saiyajin, Namek enflammé. Ça peut démarrer plus ou moins bien cette histoire. Alors, égalité ici. C'est pas terminé. Ok, il a glissé ici. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Crise cardiaque ou on pousse? On pousse, ok. Bon, c'est du sparking, de toute façon, on sait. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sait qu'on a une animation parce que c'est sparking ou plus garanti, donc on va voir. En tout cas, c'est d'abord ici, Souser, on s'en fout. Deuxième, Chaozu, on s'en fout aussi. Beerus, ok, je prends des doublons dessus, je crois qu'il a un Zenkai en plus, cette version extrême. Ok, c'est un sparking que nous avons déjà. C'est un Goku, c'est le revive lui, non? Ouais, je crois que c'est le revive, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai déjà pas mal d'étoiles dessus, mais je t'avoue que je le joue pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il vaut aujourd'hui en 2022 là, mais bon. En tout cas, à l'époque, il était pas trop mal. A voir, ok, deuxième sparking. Ah ça par contre, pour... bah, alors certes, deux sparkings dans la multi-invocation, hein, c'est cool, hein, ça fait plaisir. Mais bon, je t'avoue que Trunks... je sais même pas si j'ai pas les PZ au max en vrai. Ouais si, tu vois, je suis vraiment au max de chez max. Donc non merci. Par contre, là c'était la multi sparking ou plus garantie. Maintenant, taux ultra x2. Là on ne rigole plus. Là ici c'est la multi peut-être la plus importante du step. Parce que ultra x2, j'ai jamais drop sur ça. Vraiment à chaque fois qu'il y avait marqué ultra x2, j'ai jamais rien drop. Alors ça serait l'occasion de réaliser un petit exploit ici. Soupa Beritoda, est-ce que tu peux tomber ici? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Comme sur Dokkan. Fusion. Yeah. Allez, vas-y, mon petit. Va jusqu'au bout. Allez, par contre, les téléchargements, ils sont longs, là. Ok, 1, 2. Wow, 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 wow. 3 capsules. J'aime pas beaucoup ce que je suis en train de voir. J'aime pas beaucoup ça, 3 capsules. Oh, on se fait casser la gueule, en plus. Ok. Oula. Oh, Genki. Alors, attends, alors peut-être que, va le chercher, Freezer, t'es dans la merde mon pote, allez, on sait jamais, et on démarrera directement avec un extrême ici, Bulma, ok, crois en l'âme des cartes, Lilian. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment pour ce Végétaux, je me suis fait rouler dessus sur pas mal d'unités, mais ce Végétaux, je sais pas, il m'attire et je l'attire, je crois, ok, Sparking ici. Ah, Goliflag, dis-moi Goliflag, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, elle, je l'ai obtenue 3-4 fois ces derniers temps, et je ne l'ai jamais jouée, et je ne la jouerai strictement jamais. Sparking. Oh, Basile, oh, double Sparking. Alors, ok, c'est cool, hein, mais Genkidama pour ça. Voilà, l'Ultra x2, tu te le mets où je pense, mais... Aïe. Bon, de toute façon, c'est pas terminé, hein. Quoi qu'il arrive, là, on va passer sur la troisième multi-invocation. Ensuite, il y a la gratuite, et puis potentiellement qu'on peut refaire un deuxième step, puisqu'il me reste encore 7000 cristaux. Donc, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Et puis, ce Végétaux, je pense qu'il est... Je vais pas dire obligatoire, mais... Un petit peu, quand même, quoi. Quelque part, il est un petit peu obligatoire. Alors, attends. Oh là 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 là, le flow. Le flow astronomique de ce Beritoda. Oh là 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 là, non, il est trop beau. Ah, il est vraiment trop beau par contre. Là, c'est... Là, on est des gros fanboys ici. Hein. Ah, clairement, on est Team Gogeta. Mais là, j'avoue que... Oh, le Végétaux. Ouh, oh, il est beau, hein. Oh, il est beau. Bon, allez, porte-moi bonheur. Maintenant que je t'ai regardé, maintenant que je t'ai admiré. Parce que je t'admire, Végétaux, ici. Hein. Allez, c'est parti. On y retourne. Fusion.
Yaaaaaah! Allez, je sais que c'est sur Gogeta normalement qu'on fait ça, mais bon, nous on le fait sur Dokkan de cette manière-là, alors vas-y. Ah, pas de capsule, rien du tout ici. Ah d'accord, ok. Ah, c'est comme ça les projets maintenant, les animations, tout ci, tout ça. Ah, ça a changé, hein. Ok, égalité, de toute façon, il n'y a même pas une seule capsule, alors bon. Il y aura un sparking, hein, quelque part, hein, puisqu'on sait que c'est sparking ou plus, mais... Bah, là, tu tires la gueule, quoi. Même pas, explosion au milieu. Ah bon? Ah, alors peut-être pas de sparking ici, j'ai pas fait attention, c'était peut-être sur le premier palier. Bon, on va voir, en tout cas. Deux héros pour débuter. Troisième héros, c'était Vegeta. Quatrième extrême. Cinquième extrême encore. Peut pas y avoir un miracle là, sorti de nulle part là. Raditz. Aïe, 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 aïe. Pam, 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 pam. Non, vas-y. De toute façon, le dernier, je crois que c'est sparking ou plus garanti, quoi qu'il arrive, non? Ouais, voilà, c'est ça. Le dernier, c'est un sparking garanti en fait à chaque fois. Ok. Trunks jaune, j'allais dire jeune. Le rouge, bah non, merci. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que t'as un sparking, quoi qu'il arrive, qui est garanti sur le dernier personnage. Ok, la 7ème étoile ici. Personnage que je ne connais pas et que je n'ai pas du tout envie de jouer. Au placard, on n'est pas venu pour te chercher toi, on est venu pour chercher Végéto. Alors derrière, je vois en plus, il y a du LF derrière. Il y a le Végéto aussi violet là qui a eu son Zenkai. Il y a le Végéto Blue Zenkai également, le Kid Buu également. J'espère que ces unités-là ne tomberont pas. Hein. Je suis vraiment venu pour le Super Beritoda Ultra. Hein. Clairement, on rigole pas. Allez, version Ultra, c'est maintenant Beritoda. Let's go. 3, 2, 1. Allez, y aller, y aller. On y va, mon pote. John Ken Pong. J'arme. Attention. Allez, mon pote, une animation juste. Au moins quelque chose, là. 5 capsules. Oh. Vegeta. Ouais, mais Vegeta, c'est l'animation Sparking Guarantee. C'est l'animation Sparking Guarantee, Vegeta. C'est ça le problème. Nous, on veut de l'animation avec un gros Broly qui apparaît avec. J'en sais rien, moi, un Goku SSJ 3. Je sais même plus, il y a qui d'autre. Bref, une animation de fou, quoi. Comment ça, TikTok? On s'en fout de TikTok. Allez, Ni No Kuni. C'est bien, Ni No Kuni. Nous, on est sur Legends aujourd'hui. Allez, Souther. Allez, next, next. Jaco, 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 Jaco. Ok, Yamcha. Allez, 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 allez. Walitz. Extrême. Après, la carte est belle de ce Goku SSJ 2, mais c'est pas toi qu'on veut. Mais même lui, il est beau. Même lui, il est fort en plus. Il a une bonne capacité Z. Et le Sparking Guarantee. Oh, alors, il a un Zenkai, lui. C'est vrai que je l'ai toujours pas fait, son Zenkai. Mais bon. Bon, bah, premier step, malheureusement. Ça s'est mal passé, hein, malheureusement. Bah, écoute, on va pas en rester là. Hein. On part sur un deuxième step direct. Hein. Y a pas de saison 2. Y a pas de revanche ou je sais pas quoi. En tout cas, dans l'immédiat. Nous, on continue, on ne s'arrête pas là-dessus, il en est hors de question. Super Beritoda, c'est maintenant qu'il faut tomber. 3, 2, 1, multi-invocation, redébute un palier. Allez, le doigt de la justice, tout à l'heure, on a eu une belle animation avec. Enfin, une belle animation. C'était peut-être la meilleure qu'on a eue jusqu'ici aujourd'hui, donc let's go. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Pas de Super Saiyajin, rien du tout. Est-ce qu'on peut le démonter quand même ici ou pas? Non, égalité. Ah, les animations, ça veut pas, hein. Je sais pas ce qui se passe. Oh là 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 là. Ah bon, il a fait une crise, hein. C'est. Ok, c'est Sparking Guarantee, mais. Hey, 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 hey. On s'amuse pas trop, là, sur. Pour le moment, là, sur le portail, là. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Ok, Cell. Parce qu'en plus, j'ai même pas eu de LF ou quoi, même si j'ai pas le Ultra. C'est vrai que j'ai rien à me mettre sous la dent, de particulier, on va dire. J'ai même pas, tu sais, le petit lot de consolation, là. C'est l'IPA, Sparking ici. Vegeta, c'est le violet lui, je crois. Je crois qu'il est violet si je dis pas de bêtises, mais on l'a tellement peu joué celui-là. Mais bon, on prend, hein, c'est toujours ça de prix. Et Vegeta Super Saiyajin 4. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Putain, il date. Ah, il date le SSJ 4. Hein. Ah oui, il date de fou lui. Ah oui, je m'en souviens, il date de fou. Bon, ok, pourquoi pas. Allez, on va mettre ça de côté. Et nous repassons sur la multi-invocation la plus importante. Celle qu'il ne faut pas rater, le taux de ultra x2. S'il y a un moment où on peut drop, avec notre chance ici, bah c'est sur cette multi-invocation. Ça sera pas sur les autres. Avec le peu de chance que j'ai dans les gacha games, il faut absolument que quand il y a un taux x2 comme ça, eh bien c'est là où je dois drop. Donc c'est maintenant, Végéto. Regarde-moi avec ton petit sourire. Fusionne bien. J'arrive, mon pote. Allez, j'arrive. C'est parti. Et je reste comme lui, comme ça. Je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi, Végéto. Végéto, fais-moi rêver. Il y a beaucoup de téléchargements en bas. J'aime beaucoup ça. Ah, quoique. Oh, 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 le ciel. Le glacier, Super Saiyajin. Beaucoup de capsules ici. Alors peut-être que ça peut être intéressant. L'esquive, le lancer du dragon. Freezer en PLS. Le Genkidama. Le Genkidama. Vas-y, mon pote. Prends toute l'énergie. Atomise-le. Let's go, le Genki. Fume-le, ce Freezer. Allez. On a une belle animation. Il faut en profiter. C'est maintenant ou jamais. Frost, ok. Ça, tu t'en vas, Frost. Freezer, par contre, elle est belle, la carte extrême du Freezer. Virus, ok, pourquoi pas.
My Sparking LF. Oh, j'ai un LF. Oh, j'ai un LF. Le Vegeta, il date, lui. Oh, il date. Oh, deux LF. Oh, Vegeto Blue. Alors, je les Zenkai 7, hein, ça fera des étoiles en plus, des étoiles rouges. Hein. Du coup, tant mieux, parce qu'il est quand même super fragile avec 7 étoiles uniquement. Par contre, 2 LF dans la multi, c'est méga carré, mais c'est pas le Vegeto Ultra. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est pas le Vegeto Ultra. Troisième Sparking. Ok, le chill, du coup, lui, c'était celui de fin. Par contre, 2 LF dans la multi avec ça. Ah, il a même pas pris d'étoiles, le Vegeto. Non. Ah, lui, je l'ai 3 étoiles rouges. Le problème, le Meijin, c'est que je le joue quasiment pas. En fait, aujourd'hui... C'est compliqué, enfin, je trouve de le jouer, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai l'impression, je sais pas, à l'époque je le jouais un petit peu, il était sympa, mais j'avais pas beaucoup d'étoiles, et aujourd'hui ben, je l'ai en plus 3, et voilà quoi. Par contre Vegeto, ah, c'était 1000 qu'il fallait, ah, c'était la multi taux de Ultra x2, et nous avons 2 LF dans la multi avec un Genkidama, c'était beau, hein, l'animation, elle était magnifique et tout, et c'était Vegeto que nous voulions, mais bon, allez, c'est pas grave, on prend, c'est quand même 2 LF, donc franchement c'est cool, ça fait plaisir, il reste encore 2 multi invocations du coup, puisque là, il y a le palier 3 et le palier 4 qui sera gratuit, palier 3, let's go, allez please, envoie la chance, please, Beritoda. Il faut que tu tombes, mais pas en version Saiyajibu, il faut que tu tombes en version Super Saiyajin. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 capsules, c'est rouge dans le ciel, c'est pas un Super Saiyajin ici. Mais ça va se bagarrer, est-ce que ça peut réussir à lancer du dragon? Oui, ça va réussir à lancer du dragon. Est-ce que ça sera une animation LF garantie, ça, ou pas? Voyons voir, Super Saiyajin. Non, pas de LF garantie, ok. Alors, voyons voir. Ah, ça pète au milieu, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça pète au milieu, ok. En Super Saiyan, ça pète au milieu, ah d'accord. Je savais même pas que c'était possible. Premier Sparking. Wouah, c'est 18. Wouah, ça fait mal ça. Attends, me dis pas que c'est tout ça pour ça. Tu te mets en Super Saiyan, t'as 5 capsules, Namek a enflammé, tu réussis à lancer du dragon pour péter au milieu et ne rien avoir dans la multi-invocation. Je savais même pas que c'était possible ça. Non, c'est pas possible, il y a un miracle qui va se produire ici. Pas possible. Il y a un miracle, il y a quelque chose. Ça c'est le Sparking de fin. Donc ouais, c'est J3. Oh là là, lui, j'ai mis tellement de temps à avoir des PZ dessus, d'ailleurs. Oh, ah, lui, c'est vraiment abusé. Il passe à peine plus 3. Ah, j'ai galéré. Le rouge, full étoile rouge et tout. Mais alors lui, quel enfer. Ok. Bon, bah... Multi gratuite, alors. Aïe, 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 aïe. Multi gratuite. Allez, multi gratuite, c'est notre dernier espoir pour aujourd'hui. Et puis ensuite, il nous restera 3000 cristaux. Donc on aura potentiellement de quoi refaire un step quasiment complet. Mais on se fera une revanche, je l'invoquerai pas aujourd'hui, je garde ça pour une revanche parce qu'il me faudra 4000 cristaux je crois et pas 3000, donc on se gardera ça de côté. Sur ce, Vegeto c'est la dernière, c'est la dernière. Allez please, je me remets comme ça, ça a apporté bonheur tout à l'heure. Super Beritoda, c'est le moment de tomber mon pote, please, 3 capsules, y'a pas d'animation, Super Saiyajin, ok alors pourquoi pas, peut-être un petit quelque chose quelque part, ok lancer du dragon réussi, allez vas-y. Fume-le. Ok, le glissé, il est rouge. Bon après, de toute façon, ce qui me fait une crise cardiaque, non, ça pousse. Ah, ça a poussé ça, non? Ouais, ça pousse, ok, bon, c'est pas d'animation particulière, si ce n'est le Sparking garantie. Aïe, aïe. Bon, tu peux croire en l'âme des cartes, Lilian. Tu peux croire en l'âme des cartes, tu peux encore le faire. Sozo, Bojack. Allez, please, me dis pas que c'est juste le Sparking de fin. Me dis pas que c'est une animation juste pour le Sparking de fin. Oh, wow, wow, ça se transforme ici. Oh là là! Oh non, pas toi! Oh la colifla, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Souser. Goku. Ma Goku, ok, le dernier Sparking du coup. Bergamo, on a eu Basile et Bergamo aujourd'hui, il nous manque le dernier, j'ai oublié son nom, et puis on est bien quoi. Bon bah RIP, hein, RIP Vegeto pour le moment. Alors j'ai pas dit mon dernier mot Vegeto, hein, sache-le, sache que j'ai strictement pas dit mon dernier mot parce que on refera un step, minimum un step, d'ailleurs je crois que j'ai de quoi refaire le step complet en vrai, 1, 2, 3, 4, mais t'inquiète pas, il y aura une revanche. Semaine prochaine, ne t'inquiète pas, je garde tous mes cristaux, je reviens en balle, parce que là on va partir à la Japan Expo, donc voilà, on va digérer ce qui vient de se passer aujourd'hui. Semaine prochaine, je reviens avec des ondes positives et je vais aller te récupérer. C'est une obligation, Vegeto. Je peux pas passer à côté. Je peux pas. Il est beaucoup trop beau. Regardez-le comment il est magnifique. Oh là 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 là. Non, il est beau, hein, clairement. Hein. Comme j'ai dit, on est Team Gogeta. Mais là, le Vegeto, Super Saiyajin, Super Beritoda, il est incroyable. Non, il est vraiment magnifique. Nous devons aller le chercher. Nous devons. C'est notre objectif, c'est notre mission, c'est notre destinée. Alors, nous irons. Vous inquiétez pas.
Bref, pour aujourd'hui les gars, on va terminer cette vidéo invocation par ici. En tout cas voilà, merci à tous ceux qui soutiendront. J'espère que vous l'avez drop de votre côté, vous me direz dans les commentaires. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, vous savez quoi faire, vous bombardez les pouces bleus, vous vous abonnez, vous commentez pour le référencement. Et puis nous de toute manière, on se retrouve rapidement pour la revanche. N'oubliez pas qu'on a live sur Twitch tous les jours, donc n'hésitez pas à passer aussi. Lilian31 sur Twitch, les liens dans la description de la vidéo. Vous avez TikTok également, vous avez Instagram, vous avez Twitter, bref vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à rejoindre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage si vous invoquez à la suite. Je vous envoie un petit doigt de la justice quand même. Et en attendant, eh bien, amusez-vous bien, passez une bonne fin de journée. Et à très vite pour la suite de nos aventures sur Dragon Ball Legends. En attendant, eh bien, jouez bien. Ciao tout le monde.